N'hésite pas à t'abonner et active bien la cloche. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Une vidéo review, donc je me suis dit, allez, on se lance sur le compte secondaire. Donc on est en direct du compte secondaire où je fais les 14 à peu près tous les week-ends pour assurer les deux cartes rouges pour se faire plaisir. C'est une team plaisir. Et on a bien sûr récupéré le petit Morales qui va parfaitement avec Pep Guardiola. Et quel joueur! Quel joueur! L'Espagnol de Levante. Ces cartes spéciales qui sont apparues pendant le Black Friday, les joueurs moments. Donc franchement un plaisir cette carte. J'espère que vous avez packé du lourd sinon pendant le Black Friday. Et si vous voulez faire une carte, c'est bien celle-ci. Déjà que le régular était très cheaté les mecs, alors celle-ci, j'en parle pas. 6 matchs suite champion, 10 buts. Il n'est pas là pour blaguer. Double 4 étoiles, élevé moyen, 1m80. C'est des joueurs méta de ce jeu. 92 d'accélération, 95 de vitesse, équilibre, 87, 93 de dribble. Donc il est vivace de fou. Il est tellement vif que bah, les Vanda qui suivent même pas tellement les Vanda qui sont un peu lourds, même si c'est l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Morales, il te met une axelle, il est plus là le Vanda, il te met un crochet droit, crochet gauche, il est plus là. Non, vraiment une carte magnifique que je suis content d'avoir fait sur le compte secondaire. Donc, on va parler un peu de ses qualités, de ses défauts et de ses plus beaux buts comme d'habitude. Donc, c'est parti pour le gameplay. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne vidéo! Donc, c'est parti pour la review de Morales Moment. Le SBC coûte autour de 200 000 crédits. Cette carte est apparue pendant le Black Friday. Donc, elle est disponible, il me semble, jusqu'à dimanche soir, voire lundi. Donc, si vous ne l'avez pas fait et vous avez besoin d'un joueur comme ça, n'hésitez pas, c'est une pépite. Donc, 6 matchs fit champion, 10 buts. Voilà, je peux pas dire plus que ça. Voilà, les stats parlent d'eux-mêmes. Grosse qualité d'accélération à 92, 95 de vitesse. Il est très fort en finition puisqu'il a quand même 85, 86 de placement offensif, 83 de tir de loin. Ça, c'est moyen, mais dans la surface, il est tellement intenable avec sa vivacité puisqu'il a quand même 90 de calme et 93 de dribble. Plus sa vitesse à 95, ça fait un joueur tellement instable, tellement vif. Agilité, équilibre, c'est très correct aussi, hein. 87 d'équilibre, 82 de agilité. Donc c'est très fort. 80 de passes courtes. Donc voilà, de grosses qualités. J'ai vraiment aimé hein, pour le code secondaire. Pour ceux qui ont fait Guardiola, n'hésitez pas les mecs. Franchement, c'est une carte vraiment kiffante. Même si plus tard vous pouvez pas jouer avec lui, vous le mettez en super sub. Je pense qu'il peut faire du sale hein, quand il va rentrer. Donc très très intéressante cette carte. 83 d'endurance, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est quelques défauts qui sont pas gênants sur sa carte. C'est son 67 de force, son 58 d'agressivité. Il a pas de détente puisqu'il a 61. Il a que 65 de pression de tête. Mais moi qui centre pas, ça m'intéresse pas du tout ces statistiques. Donc voilà, là où je regarde ces statistiques, c'est dur à dire, hein, pardon. Donc c'est 93 de dribble, 90 de calme, 87 d'équilibre, 87 de réactivité, 95 de vitesse et 86 de placement offensif. Voilà, c'est meilleures statistiques. Et franchement, j'ai adoré 6 matchs, fut champion, 10 buts. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un BU. Voilà les mecs, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots!